et parle le langage de France. C'est donc de Saint-Michel qu'elle a reçu... Thank you.
Thank you.
On y va. Order.
Nossa. Il y a suffisamment d'espace, tout ce qu'il y a pour soi, la statue de la tête.
Septembre dernier, je crois que ça. Une année scolaire. C'est 8-9 mois que j'ai pas bossé. Le kiff. Ouais. Ça me. Ouais, ça me. Alors, oui, ça, pour ça. Il y a des périodes où ça me manquait. Et là, c'est pas que ça me manque, c'est que ça me. Thank you.
pas chaud, mais c'est un quartier où...
Thank you.
Voilà, c'est ça, nous sommes à Mustang. C'est le M d'ailleurs. Ah, c'est le M. Vous avez le chance de faire ça. Their dorsal fin. Si Jacques parle si bien le français,
à tel point que Jean Cocteau a pu dire qu'elle était notre plus grand écrivain de langue française. C'est qu'elle a appris cette langue de celui qui m'est apparu et qui est Saint-Michel. Je le dis parce qu'à son procès, elle a déclaré, parlant de Saint-Michel, « Cette voix est douce et humble et belle et parle le langage de France. » C'est donc de Saint-Michel qu'elle a reçu toute son éducation au long de 4 années, de l'âge de 13 ans à l'âge de 17 ans, pour qu'enfin elle se décide, à 17 ans, à prendre le chemin de Chinon pour retrouver le roi. Car Saint-Michel, toujours lui, lui a dit qu'il y avait grande pitié au royaume de France. Elle dit elle-même, et me disait l'ange, la grande pitié qui est au royaume de France. Et quand ses juges lui disent, mais comment se fait-il que vous soyez parti alors que vous n'avez pas prévenu vos parents, alors que personne ne le savait, elle répond, quand j'aurai eu 100 pères et 100 mères, quand j'aurai été fille de roi, je serai partie. Et elle est partie obéissant à Saint-Michel qui l'a conduite jusqu'au bout. Saint-Michel archange, patron protecteur de la France. Saint-Michel archange, patron du mont Saint-Michel, qui était avec Orléans le dernier lieu qui résistait et qui restait fidèle au royaume. Saint-Michel, protégez-nous, défendez-nous dans le combat. Quis ut Deus, ensemble. Quis ut Deus. Encore une fois, ça veut dire qui est comme Dieu. Quis ut Deus, l'étymologie. Saint-Michel ou le chanteau. Sur la place.
Thank you.
Thank you.
Non, moi.